Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'être invincible et de faire des manches en illimité pour gagner des XP en illimité. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre sur la map D-Machine. Quand vous arrivez sur cette map, je vous conseille de débloquer l'arme spéciale DCD. Ensuite il faudra aussi l'améliorer en DCD Nova 5, comme ça ce sera beaucoup plus efficace et vous allez passer les manches beaucoup plus facilement. Alors quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est vous coucher au même endroit que moi sur le gameplay et faire en sorte d'avoir deux zombies derrière vous qui vous frappent. À ce moment-là, dès qu'ils vous frappent, vous vous relevez et ensuite vous vous rallongez en illimité jusqu'à temps que vous passez en dessous de la map. Alors c'est possible que vous passiez directement en dessous de la map, si c'est le cas, ben tant mieux, sinon si vous êtes bloqué comme moi, et ben c'est pas grave, laissez-vous tuer par les zombies, et quand vous allez être en PLS, ça va vous faire passer en dessous de la map, donc vous vous réanimerez en dessous de la map. Alors bien entendu, je vous conseille d'acheter l'atout mastodonte, plus l'atout réanimation rapide, et avec cela, ben prenez un gilet pare-balles. Comme ça, quand vous essayerez de passer sous la map, les zombies ne vous tueront pas directement, parce que vous pouvez passer en dessous de la map, tout simplement sans mourir. Et comme ça, ben, vous gardez vos atouts et votre auto-réanimation. Donc voilà, quand vous avez réussi à passer sous la map, de là, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, dont racheter l'atout Masto, ou alors prendre la caisse de munitions qui se trouve juste en dessous de l'aile de l'avion. Donc si vous sautez en dessous de la caisse de munitions, vous allez pouvoir récupérer des munitions en illimité. Donc si vous ne voulez pas jouer avec la DCD Nova 5, ça ne tient qu'à vous de changer d'arme, et ensuite d'aller récupérer des munitions quand vous n'en avez plus. Et en plus de ça, il y a plusieurs endroits où les zombies vont pile-up. Par exemple, près de la carcasse de l'avion ou alors près de l'arbre comme je le montre dans le gameplay. Alors moi, je préfère le spawn pile-up zombie qui se trouve près de l'arbre. Mais après, vous pouvez aller faire pile-up les zombies autre part. C'est vous qui voyez. Alors, ce qui est bien avec cet arbre, c'est que moi, quand je prends l'arme spéciale DCD Nova 5, bah, je tire dans l'arbre. La munition Nova 5 explose sur l'arbre et ensuite, ça fait des dégâts à tous les zombies qui sont aux alentours. Et même aux mégatons qui viendront pile-up au-dessus de moi. Donc de ce fait, ce que je fais, c'est que je tire une balle de Nova 5 et ensuite j'aspire les zombies pour récupérer des munitions et j'active aussi mon spécialiste pour tuer les zombies plus facilement. Et ça, je le fais en illimité et en répétition, ce qui me permet de gagner des XP en illimité et passer les manches en illimité. Alors bien entendu, moi j'ai un Cronus Max Pro, donc c'est une clé USB qui me permet de créer un script et ensuite ce script va jouer à ma place. Donc avec cet accessoire, ce que je fais, c'est que je programme un script qui tire en illimité, qui aspire les zombies pour récupérer des munitions et qui active mon spécialiste en illimité. Comme ça, je n'ai rien à faire. Je mets juste le script sur ma clé USB, je le branche à ma manette, j'appuie sur la flèche de gauche et ensuite, ça le fait automatiquement tout seul. Alors bien entendu, si vous avez un Cronus Max Pro, eh ben, je mettrai le script en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse de le télécharger. Si vous le téléchargez, vous aurez juste à le mettre dans la clé USB et ensuite aller dans le glitch, puis faire flèche de gauche et ça fera ça en illimité. Et si vous n'avez pas de Cronus Max Pro et que vous en désirez un, eh ben il y a un lien en description de cette vidéo qui vous dirigera vers Amazon où justement vous allez pouvoir acheter cette clé USB. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 yumm